Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, comment allez-vous? Moi ça va super, on se retrouve pour un petit Colisium, le premier Colisium de Clampin. On va se faire marave la gueule, je le sens bien, parce que quand je vois la team en face, enfin soit, c'est pas grave. On est pour l'épisode 25, je crois déjà, de en route vers le niveau 100. On est toujours niveau 60. Hein. De notre team, on a un EK 84, c'est bizarre, parce qu'il a une DD terre et... Une coiffe R, enfin soit. Un Yop 90. Alors en face, un Sacri 65, un Kra 84 et un Kra 95. Donc je pense qu'on va se faire défoncer. Enfin soit, j'avais promis que je vous montrerai le premier Colisum de Clamp. Hein. Donc on va essayer de faire quelque chose. Ça va être très très chaud, hein, je le sens. Allez. Le crack il se booste. Il va encore pouvoir taper à l'autre bout de la map. Je le sens bien. Surtout qu'il est terre et que j'ai moins 50% terre. J'ai déjà pas beaucoup de vie. Ouais, non, en face c'est assez violent. Pourquoi j'ai fait ça? Voilà. Et voilà. Ok, il y a un commerce qui est en train de se faire en plein combat. Le gars veut lui vendre sa DD. Pourquoi pas, hein. Alors, que fait-il? On va regarder un petit peu avec la map. Hein. C'est vachement plus joli comme ça. Mince, me faudrait la 100. C'est bizarre hein, qu'il fasse du Colisum avec une DD qui n'est pas montée. Alors, faudrait que t'accélères un petit peu le jeu, mon gars. Parce que t'es un peu lent. Grave, t'en parles pas. Alors, roulette 80 en soin. Voilà, comme ça, notre Yop est full vita. Par contre, faudrait que le sacré vienne un petit peu pour que je puisse l'aligner. Parce que pour le moment, c'est assez tendu. Alors que fait-il? Ça a l'air d'être un sacré terre. Agit. Peut-être feu. Ouais, c'est vraiment un... Ah non! Pourquoi moi? Pourquoi il m'attire moi? Ouais, je vais le foutre dans un mur, je le sens bien. Ouh, le Yop qui fait assez mal. Alors le Kra qui va sûrement pouvoir m'aligner. Lui, il va faire très très mal, je le sens bien. Ce que j'espère, c'est qu'il va pas m'enlever de PO, parce que sinon je pourrais pas faire en tourloupe. Allez, non. Ou tape le Yop. Oui, il va taper le Yop. Tire puissant. Aïe aïe aïe. Ah, tir critique. Aïe, non. Oui, il a rien fait. Ça, c'est très très bon. Voilà. J'ai eu peur de ne pas savoir faire ce que j'aurais voulu. Voilà, un petit moins 177. Ça fait plaisir. Comme ça, l'EK va pouvoir aller l'aligner un petit peu. Et il a perdu un PM en plus. Donc c'est très très bon. A mon avis, c'est un sacré terre-air, je pense. Puisqu'il va faire genre deux assauts et un pied de sacrieur, c'est possible. Alors, que fait l'EK? Voilà, il va avancer pour pouvoir faire une griffe. Et un bluff, je pense. Une griffe à 400. Ouf. Et alors? Ah non, un pilou pour lui enlever 2 PA. Donc le sacré qui aura perdu 1 PM et 2 PA pour le moment. Et le voilà bloqué avec le chaton. Et non, il a esquivé la perte d'un PA, d'un PM. Alors, j'espère qu'il va pas faire une coop. Sinon, il fait un détour, c'est mieux. Voilà. Au cac de l'EK. Oh, ce serait bien.
Encore mieux. On va essayer de leur remettre dedans. Ouais, je pense que si je fais une botte ici et que je remets une bombe, il y a moyen. Une petite bombinette. On va se mettre par contre le statut absent pour prévenir que... Désolé, je filme, voilà. Ouais, non, notre yop, il fait vraiment mal. Je regarde, je peux tuer le cra. Ouais, je peux le tuer. Ah, quoique. Non. Enfin, quoique si, je peux le tuer, mais... Je sais pas si je dois tuer le cra ou taper le sacré, en fait. Je vais lui dire... T'inquiète, je finis. Parce que si je me décale là, je peux faire une espingole ici et je peux le terminer, donc... Donc ça va. Voilà. Premier kill en Coliseum, on se fait plaisir. Ouais. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Non, on va rester à l'écart. Je sais pas quoi faire. On va, limite, on va booster les cas. Voilà, comme ça, il va faire mal. Allez, grand, sors-nous des grosses griffes. Boum, 492, ça fait mal. Boum, 447 derrière. Ah, il fait assez mal quand même, ce TK. Malheureusement, le chaton s'est fait one shot. Peut-être que si j'avais foutu le sacri dans le mur, ben il serait peut-être déjà mort. Mais je sais pas. Normalement, on devrait le tuer ce tour-ci. C'est seulement ce cra-là qui va être un peu chiant. Parce qu'on est tous R en face. Donc on va avoir du mal. Tout que notre tuyau-play, il va se prendre la punie. Allez. Qui fait une vitalité. Oh non, il fait une tempête. Alors, le cra. Ah non, ça va, il l'a. Il lâche une destructrice. Et il va finir à la punir, je pense. Ok, il y a... Du troll dans les Oh, il est pas mort. Oh, ça sent bon, ça. Moi, je vais tuer le sacri. Oh, oui. Voilà. First kill. Non, deuxième kill, pardon. Bah, ça va, j'aurais fait mal. Alors, maintenant, il ne reste plus que le cra, mais il a beaucoup, vraiment beaucoup de vie. Hein. Franchement, faire notre premier Coliseum sur une victoire, ce serait énorme. Il faut que amène le cra avec un rhum là-bas. Oui, je sais. Alors, le yop. Non, on va lui dire. Toi, Rox, avant... Ouais, faudrait qu'il aille le roxer avant de crever. Je vais faire genre deux épées célestes. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un bon. Un Timmy. Il peut encore faire précipit. Je pense. À moins qu'il l'ait pas monté. Non, il l'a pas fait. Bon, ben, Liob va mourir. Je vais essayer de faire. S'il tue pas mes bombes, essayer de le foutre, de le caler dans un mur, ce serait pas mal. Ah ouais, non, il va me faire chier, je le sens bien. Parfait. Alors voilà ce qu'on va faire. On va faire ainsi. Une aspiration. On passe derrière. Et une poussette. Et faut que les cas aillent le bloquer là. Comme ça, après, on peut faire un mur et on le déboîte.
En plus, il va avoir 11 PA. Il va prendre cher. Alors, on pourrait peut-être faire une roulette. Ouais, roulette. 80 soins. Dommage. Allez, deux griffes. Non, il lui fait réflexe pour lui mettre de l'érosion. C'est pas con. Fais-lui une griffe. Voilà, moins 300. Le crack qui est totalement bloqué. À moins qu'il fasse une flèche de recul. Mais je pense que. Ouais, voilà, il va faire ça. Mais je crois que c'est possible de le mettre dedans quand même. À moins qu'il se barre par l'autre côté. Mais. Ce serait un peu dommage. Mais je crois qu'avec les 11 PM. Les 11 PA, ouais, il y a moyen de faire quelque chose. Oh l'enfoiré. Oh l'enfoiré. Tant pis, on va le taper, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il s'est bien placé, le con, hein. Alors, on va utiliser nos PA. Ne va pas sur moi. Bien, chaffeur. Ça, c'est du bon chaffeur. C'est du vrai. Du pur et du dur. Allez, deux griffes. Moins 260. Non, 296. Deuxième, 268. Donc là, par contre, l'équerre, il va prendre cher. Viens près de moi seulement. Oh non, il est pas mort. Oh yes. Oh yes. Oh oui, oh oui. Alors, on va faire une petite boomerang. Une petite tornabombe ici. Qu'est-ce que je pourrais faire? Non, on va bloquer le chauffeur pour pas qu'il aille dessus. Et l'équerre va pouvoir aller le terminer à l'aise. Donc voilà, c'est vraiment bien parce qu'en plus on va voir combien on peut XP. Donc première victoire à notre tout premier Coliseum, je suis super content. Donc on aura XP du 100... Ah ouais, 192 000. Et par contre on a mis des trucs sur notre monture. Maintenant elle est à 0%. Et j'avais oublié de la renommer. Cunilingus, comme toutes mes dragodins du jeu. Donc si un jour vous voyez une DD Cunilingus, c'est que elle m'appartient sûrement. Parce que j'appelle toujours mes DD pareil. On en est à ouais, 12 minutes. Oui, on va en faire un petit deuxième, je pense. Donc en attendant, je voulais vous montrer. Je suis déjà remonté à 327 000 kama avec tout ce qu'on avait mis en vente l'autre fois. Il y a des élixirs SRAM qui sont partis, il y a les planches qui sont parties. Donc je pense que cette semaine-ci, je vais faire pas mal de colis avec le roublard et que je ferai encore des élixirs. Je vais essayer d'en filmer un maximum pour vous montrer. Je regarde qu'on est toujours, ouais, on est toujours le même prix. Les grandes fioles, elles sont à. Ah ouais, d'accord. On va remettre le prix le plus bas. 4190. Non. Non, non. Je vais y arriver. T'as foncé comme un yop. Voilà, ça c'est bon. Mode d'achat. Qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre? Les élixirs d'Igné. Qu'est-ce qu'ils prennent? Ah ouais, les yeux d'Ogina qu'on a dit qu'on irait voir. Ah oui, aussi les potions minérales, elles sont parties tout à l'heure. On pourrait peut-être essayer de faire ça, des essences de bocage et de bosquet, pardon. Mais je sais pas si c'est une bonne idée. Il faut regarder un petit peu les prix. Ça pourrait être pas mal, je pense. En faire genre par 10. On va regarder en live. Donc il nous faudrait merisier. Eucalyptus. Charme. Donc pour faire 10 planches, il me faut 200 bois. Ouais, non, on va en faire x5 en fait. Comme ça, on verra à peu près combien ça nous coûte. Olivet violet. Et bambou sombre.
Et alors, une popo vieillesse et souvenirs, ça on pourra la faire nous-mêmes, ça reviendra à pas très très cher. On peut même regarder là. Souvenir. Voilà, ça revient à 8000 kama. Et alors, vieillesse. Bon, elle est pas dedans, c'est pas grave, on va la chercher. Popo de vieillesse. Ah ouais, j'avais oublié, 2300. Donc alors, on va prendre la calculette qui est là. Donc ça nous fera, on va mettre 2400 kama. Les popos de souvenir, 8000, merde, plus 8000. Voilà. Alors on va aller voir l'HDV des bûcherons. Alors, les bois. Donc, pour commencer, le merisier. Il est où? Merisier. 24 000 les 100. On va mettre plus 25 000 pour arrondir. Maintenant, du calyptus. Ouais, les planches d'eucalyptus, je sais bien, il faut aller à... Ah ben non, j'ai rien dit. Je me suis trompé. Calyptus, là. 99 000. Le bois de charme. Oh, il fait mal celui-là. Plus 290 000. Et le bois de bambou. Non, olive-violet. 3000. Et le bois de bambou sombre. 125 000. Pour un total de 500 000 kama. Et on revend les 115 000. On va dire. Ouais, le bénéfice c'est pas énorme. On gagne 40 000 kama. Donc on va laisser tomber ça. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on pourra aller regarder d'autre? Mais ce qui est en fait, il y a beaucoup de trucs à faire niveau alchimiste. Je vais juste aller voir si toutes les baguettes s'étaient vendues l'autre fois. Non, il en reste 4. On va regarder si on peut pas remettre les prix à jour. Baguette aux racines d'abracnide. Ah ouais, non, les prix ils ont vachement baissé. On va les mettre au plus bas. Parce qu'on est des malades. 70. Voilà. En évitant de mettre la nôtre en vente, ce serait con. Voilà, on garde celle-là. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Non, ça c'est trop haut niveau pour nous. Ah oui. Je me rappelle, c'est à Kev qui m'avait dit d'aller voir les haches à l'hôtel de vente des forgerons. Les haches hétérophiles. Je pense qu'en les brisant, il y a moyen de se faire un bénéfice, mais c'est pas sûr. Les haches. Haches hétérophiles. Ah ouais, non, elles se vendent à 5. 50 000 kama. Non, faut que je regarde. Ah oui, peut-être les. Non, non, j'ai rien dit. J'allais dire peut-être les items Royal Moot, mais on a déjà regardé. Par contre, que je pense à ça, on avait dit qu'on essaierait avec les trucs chauffeur. Il y a un pagne, ça s'appelle, de chauffeur, je sais plus trop quoi. Peut-être vous montrer. Plus vite. Pagne du chauffeur Ronin, voilà. Parce qu'en fait, regardez les runes qu'il y a dessus. C'est des runes d'eau neutre. Et c'est vrai qu'on achèterait bien ceux-là. Ouais, tant pis, on va tenter en vidéo. Puisqu'il donne pas mal de trucs. Donc on va gaspiller 100 000 kama à les acheter. Voilà, on en a acheté 4. Atelier des forges mages. Alors, normalement, si on les brise, on va avoir pas mal de dos neutres. Voilà. Si ça se trouve, ça va être un epic fail, hein, mais bon, au moins on aura essayé. Voilà, 16 dos neutres. Et des passas et des vies. Et des runes réécrites. Alors, les runes dos
Neutres, elles sont là. Ah ouais, quand même. On va les mettre par 10. Ou à l'unité, je sais même pas. Non, on va les mettre par 10. Ce que je veux faire, ouais, je vais acheter les 4 là. Mais en fait, c'est con parce que ça revient à plus cher. Bon, on va en les mettre par 10 et à l'unité, on verra bien ce qui part le mieux. 9429. On se sera fait un bon petit bénéfice là, très rapide. Et si vous les craftez vous-même, c'est encore mieux. 87 295. Voilà, juste avec les deux neutres, il y a tout qui est rentabilisé. Oh merde, quel con. T'as un peu exagéré, hein, là. C'est par 10 qu'il faut les mettre. 96 295, voilà. Oh, le réécrit. Oh, c'est pas énorme. Réter. Réécrit. Voilà, 8650. 8650. Non, pas 86 000. On est 20-0. Voilà. Ça, on s'en fout. Les passas, ça peut se revendre pas mal, mais à plus grosse échelle. Voilà. Donc on a un petit colis, c'est cool. Donc je vais essayer vite avant que le colis commence de vous montrer un... Merde, tant pis. J'irai une autre fois. Par contre, c'est quoi ce bordel? Un CRA 138, mais oui. Un SRAM. Allez, deux SRAM. Il y a un gros souci dans l'équilibrage en Coliseum, c'est pas possible. Un CRA 138, les gars, il a plus du double de niveau. Plus du double de mon niveau, c'est abusé. Le SRAM là, il va me défoncer la gueule. Le SRAM là aussi. Mais même lui, je pense que ça le fait chier de tomber contre des gars comme ça. Ça doit même pas être marrant. Ouais, je pense qu'on va se suicider. Ça, on refait vite un autre combat. Ah bah il y a des planches qui viennent de se vendre, ça c'est bien. Ah là là. N'importe quoi. Voilà, on va se suicider comme des grosses merdes. Voilà. Allez, Croco, viens me tuer. Donc ouais, franchement, je vais regarder moi de mon côté pour faire comment dire, pour faire le craft, pour voir si ça pourrait être rentable. C'est pas drôle de jouer comme ça, mais ah ben bêtement, on peut regarder comme ça. On va essayer de tomber dessus. Alors ceinture, voilà. La voilà la recette. Donc les crânes de chafeur, os de chafeur, mâchoire d'ogre. Ça, on en a blindé, je crois qu'on en a 50. Les côtes de rib. Peut-être en fait, si on les craft par 10, ça peut être intéressant. Par contre, il va falloir énormément de pods, je le sens bien. Parce que les os de chaffeur, c'est monstrueux, combien ça pèse. Parce que c'est toutes des ressources qui coûtent pas cher, à part le crâne et la mâchoire. Parce que c'est tout simplement déjà ça, ça. C'est possible de le dropper à un Carnam, donc même des niveaux 1 peuvent essayer d'en dropper, donc ça en fait qu'il y en a beaucoup. Il y a ça aussi qui peut être pas mal pour XP déjà coordonné dans un premier temps, et essayer d'avoir des runes invoques derrière. On pourra peut-être le tenter, et alors le pagne, c'est monstrueux. Ce qu'on peut gagner, je vais vous montrer, il y a toute la panoplie, en fait, il y a... C'est en fait le pagne qui donne le plus de résis. Mais on m'avait dit que le chapeau, la recette était pas mal aussi. Ah oui, c'est avec les colonnes vertébrales. Parce que là, on peut essayer d'avoir des pas faux et des ravis en fait. Parce qu'on arrive à 50. Mais déjà, des pavis, ce serait pas mal. Donc on est déjà mort, hein. Je regarde même pas le combat, c'est pas intéressant. Mais le problème, c'est que ces trucs-là, en général, les gens les tapent en banque et ils les utilisent jamais.
Mais c'est vrai qu'à craft par 10, celles-ci, je pense qu'elles seront plus faciles. Mais dès que le combat sera fini, on ira voir. Et je vous dirai quoi. Pour voir si c'est possible. Donc là, il nous en faudrait 40, la 10, la 60, la 120. Ouais, c'est possible de le craft, je pense. Avec nos pas beaucoup de pods, comme je dis. On pourrait peut-être aussi essayer de s'acheter genre un sac de kawotte ou un truc comme ça pour avoir beaucoup plus de pods. Allez, notre Ekia qui est marrant. Alors, tu trouves ça amusant, un cra ou chiant? Moi, perso, je trouve ça pas trop mal, mais en Coliseum, c'est monstrueux parce que ça tape vraiment blindé. Joli le petit coup de repérage pour attirer le Yop. Donc, notre Yop qui ne s'avoue pas vaincu. Ouh, vient de lui faire des épées célestes. Bon, c'est sur moins 50%, on est d'accord, mais à moins 430. Je pense que si on avait un autre gars à la place du Kra, je pense que c'était gérable. Parce que comme vous pouvez voir, on s'est tapé dessus tout ça premier tour, et les deux SRAM sont déjà presque morts. Donc, ah non, merde, je suis con. C'est le double, j'ai rien dit. Vachement long. Et voilà, petit combat rapide. Bon, pour eux, c'est cool. Ils ont bien XP en pas beaucoup de temps. On va pas se réinscrire cette fois-ci. On va quitter le Coliseum. On va juste aller voir si c'est possible de crafter les machins d'ogre. Enfin, déjà, les. On va regarder les deux recettes. Alors, chauffeur. Alors, les crânes sont à 2000 les 10. C'est pour le. Ouais, je crois qu'on va faire le pagne quand même. Enfin, je sais pas en fait. Ouais, je pense qu'on va faire le pagne. Donc les os, voilà. Mais là, par contre, les os, je trouve qu'ils sont chers. Mais parce que ça nous reviendrait à 75 000 pour avoir les 300. Et comme je vois que c'est super facile à dropper, je trouve ça un peu cher. Enfin, soit, c'est pas grave. Les casses primitives sont pas chères non plus. Les fémurs sont limite à donner. Les mâchoires, par contre, elles coûtent assez cher. Enfin, ça peut être faisable. Moi, je vous donne la technique. Vous pouvez le faire de votre côté. Moi, je pense que je vais bêtement acheter les items, les briser et les revendre. C'est plus simple. On va regarder cette fois-ci les chapeaux pour voir si on n'a pas à pas très cher. C'est aux alentours du niveau 60-70 qu'on peut les mettre. Bon, on va faire une recherche, ça ira plus vite. Schaffer, Kabuto. Bon, voilà, 15 000. 22 000. On va en acheter quelques-uns. Tant que c'est en dessous de 25 000, je prends. Il y a quoi d'autre? On avait dit. Dans la panoplie. Il y a le marteau. Qui peut se revendre pas mal, je pense. Ouais, voilà, 125 000 kama. Et pourtant, le craft est simple. Mais c'est vrai que ça peut taper pas mal, hein, franchement. Pour 4 PA à ce niveau-là, et c'est un CC de 1 sur 10, donc on est presque 1 sur 2 de base. Taper sur deux lignes, ça peut être vraiment pas mal. Et les bots, je sais pas, on va aller voir l'HDV. Et c'est une panneau qui donne 1 PM, donc franchement, c'est une petite panoplie qui est pas mal du tout. Si vous avez un perso terre et que vous avez pas énormément de kama, bah franchement, je vous la conseille. Les bottes, ouais, non, sont un peu plus chères là par contre. Alors, regardez le craft, hein, c'est exactement la même chose. Enfin, à quelques trucs près, je dirais même que c'est moins cher celle-ci. Ouais, ça revient à vraiment rien quoi. Le pagne, il y en a encore un à 25 000. Limite, j'achèterais bien ces deux-là. Allez, ouais, comme on a eu les deux autres pas chers. Voilà, on va aller briser tout ça et puis on se dira au revoir. On sera à, ouais, une trentaine de minutes, la vidéo, ce sera pas mal. On aura réussi un colis. On aura encore montré une fois de plus le déséquilibre des équipes de Coliseum. Et on aura fait une petite technique Kama assez cool. Alors. Voilà, donc on en aura eu 15 cette fois-ci, et pas mal de runes.
Des runes pavis, ça c'est bien. Des runes tacles qui peuvent se vendre pas mal aussi, vous allez voir. Par contre, ce qu'on va faire, les deux neutres, on va les retirer pour essayer d'en avoir 10. Voilà. Comme ça, on en aura 20. Alors, les runes d'eau neutre, elles sont là. On a toujours le moins cher. Hein. Donc, on va mettre les 30 en vente. Les runes pavis. Runes pavis, 7000 unités, on en a eu deux. On va voir si ça part. Les prix étaient un peu abusés. Les runes tacles. Runes tac. Voilà, ça peut être pas mal, hein, comme vous pouvez voir. Bon, là, les joueurs ont un petit peu abusé, mais bon. On va essayer d'en acheter 4 pour avoir les 10. Voilà, on va mettre... attendez, on va mettre un peu moins cher que le gars pour voir si ça part. Parce que si c'est le cas, on pourra essayer de se faire pas mal de bénéfices là-dessus. Les réécrits, il nous en manque une pour pouvoir en avoir 10. Réécrits, donc on va en acheter une. Et on va la remettre par 10. Voilà. On va juste refaire un petit tour à l'HDV des bricoleurs pour voir si nos clés de l'autre fois s'étaient vendues. Ouais, il ne reste plus que celle du dragon cochon. Donc celles du chauffeur sont vraiment bien parties. Si c'est possible, on va en reprendre. Elles sont les chauffeurs. Là, je viens de les voir. Allez, hop. 5429. Non, 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 pas par 10. T'es fou, toi. Voilà. Et les clés d'essai, je crois que le prix était baissé. C'est pour ça qu'elles sont pas parties. Le clé d'essai, voilà, 11 000, ouais, les prix ont été baissés. Donc on va changer ça. Bah il y en aura une qui sera partie quoi. 589, voilà, on met juste un cam en dessous de l'autre. Voilà, comme ça on l'ennuie. Et voilà, ben je pense qu'on va se laisser là-dessus. Ça aurait été un bon petit épisode comme vous les aimez. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt les amis. Salut à tous!